donc aujourd'hui on est jeudi. Voilà, jeudi, il est un peu tard là, du coup j'ai reçu mon colis craftelier, du coup je voulais vous montrer plus en détail que sur le petit clip d'avant. J'ai fait une petite commande parce que je voulais me recommander en fait des pochettes de Project Life parce que en fait quand j'avais commandé mon album fin d'année dernière je crois, ou début d'année, je sais plus, j'avais décidé de faire que certaines pochettes, c'est-à-dire je voulais que des petites cases ou des cases 3x4, donc 9 cases. Sauf qu'en fait je m'aperçois que c'est compliqué quand j'ai des photos en paysage. En fait j'ai déjà des pochettes inserts avec 3 cases en paysage, mais ça va pas. Donc je me suis dit j'allais recommander et je vais en profiter pour prendre d'autres trucs, logique. Donc j'ai pris cette disposition là, d'ailleurs je me rappelle même plus que j'avais pris celle-ci, et j'ai pris celle-ci, du coup c'est des mix. Voilà, c'est des mix de petites cartes et de grandes. Voilà, enfin de petites photos dans photos. Donc comme ça je pourrais mieux gérer mes impressions de photos déjà. Et donc je prends la marque Craftelier parce qu'elles sont vraiment pas chères. Je pense que j'ai payé 4,90€. Voilà les 10, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite j'ai pris deux pinceaux plats comme ça parce que pour l'aquarelle en fait, pour faire des fonds, du coup ça permet de mettre l'aquarelle sur une plus grande surface. J'ai pas trop de grands pinceaux, donc ceux de Craftelier ils sont pas mal, voilà. Après j'ai des pinceaux aquarelle comme ça. Je les trouve pas dingues. Ils sont bien, mais ils sont pas fous. Et en plus, ils se tachent super vite. Donc ceux-là, ça va être pareil. Donc du coup, ceux-là, je peux les ranger. Voilà. Ensuite, j'en ai profité donc, pour prendre une perforatrice d'angle. Donc ça, c'est pour mes créations, pour la future boutique. Parce qu'en fait, j'ai une création en tête. Et je vais avoir besoin d'une perfor d'angle. J'ai pris de la marque Craftelier, vous avez la même chez We Are Memory Keepers, mais en fait on sait qu'ils font les mêmes. Et donc vous voyez les angles, voilà, il y a ceux-là, il y a trois façons, et moi celui qui m'intéressait c'était celui-là. Donc après les autres, c'est quoi? Scallop, Seashell et Stub, donc moi c'est Stub, hein. Voilà, je teste. Pas mal. Après, en vrai, j'aime bien les perfos. Je dois avouer que j'aime bien. Ce que j'aime pas, c'est que c'est pour stocker. Après, ça prend beaucoup de place. Mais globalement, j'aime bien quand même avoir des perfos, même pour le PL, pour faire des cercles ou pour les photos. Je pense que c'est vraiment des outils à avoir. Je sais pas comment ça va rendre, mais la luminosité est assez forte là avec mes lampes. Ensuite, j'ai pris deux pigments. Donc ça, c'est la marque Coliro, il me semble. Oui, ça s'appelle comme ça, Coliro. J'ai pris un pigment un peu bleu nuit et un, alors vous verrez pas du tout la caméra, ça fait blanc, mais en fait il y a des espèces de reflets duochrome un peu rose. Magnifique. Donc j'ai pris ça en fait pour mes illustrations, pour mettre sur une couche de peinture déjà, d'aquarelle. Là je vais pas les tester maintenant parce que j'ai pas envie et puis il est tard, mais je pense que plus tard dans la vidéo je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais voilà, ça ressort mieux sur du papier noir. Bon voilà, c'est tout pour ma commande. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, ça y est, j'ai fini mon marque-page, donc voilà, je vous montre. Je l'ai partagé sur Insta, vous m'avez fait des retours super gentils, donc merci beaucoup pour celles qui m'ont laissé des messages. Voilà, j'ai une passion pour les nébuleuses et les galaxies, c'est un truc de fou, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais voilà, du coup, je fais beaucoup de créations autour de ça. Et là, je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi. Et je sais pas si on voit, mais il y a de la peinture dorée. Mais ce qui est dommage, c'est que quand je vais le scanner, on verra pas bien le doré. Voilà. Donc c'est juste ça. C'est dommage que quand on scanne des choses, tout ce qui est un peu pailleté et doré, ça ne ressort pas. Mais bon, c'est comme ça.
crois qu'il y a eu une espèce de faille spatio-temporelle depuis la dernière fois que j'ai filmé. Je pense que c'était il y a 15 jours. Donc là, nous sommes le 29 mars. Donc voilà. J'avais pas grand chose à vous raconter ou à filmer. Donc en fait, voilà, je filme que quand j'ai des choses en cours. Ou voilà. Bon, j'espère que ça va. Là, donc, je suis à l'ordi, ça fait une heure, un peu plus d'une heure même. Je suis en train de préparer mes posts pour Instagram et après, je vais préparer mes reels parce que je ne sais pas si vous me suivez sur mon nouveau compte, mais en tout cas, je le mets en barre d'infos si vous voulez vous abonner. J'ai un peu laissé mon compte à l'abandon là depuis 15 jours, hein, voilà. parce que j'avais pas trop le temps, j'étais un peu fatiguée et en plus, je suis tombée un peu malade donc. Flemme, en fait flemme, et j'ai rien fait au niveau création et tout qui méritait d'être montré en fait, donc voilà, je vous ai abandonné, je m'excuse. Aujourd'hui, donc à part ces histoires de création de contenu, je devais recevoir mon papier pour imprimer mes illustrations à la maison aujourd'hui, donc je suis passée à 12h30, il n'y avait rien dans ma boîte, voilà, donc j'attends, je voudrais commencer à imprimer un peu mes créations pour voir comment ça rend. Et je n'y arrive pas parce que j'ai toujours pas ce papier. Bon, voilà, ça c'est pour les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? Pas grand chose. Je suis un peu en manque de motivation pour le Project Life. Voilà, je savais que ça allait arriver. Ce moment qu'il allait arriver plus vite que prévu, hein, de toute façon. Quand je m'y mets, je m'y mets 20 minutes, une demi-heure, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Donc, j'arrive pas à rester motivée. Alors, je sais pas si vous avez un conseil pour ça. Mais pourtant, je scrappe que des moments, on va dire, intéressants. Quand je fais des sorties, des voyages, ou que je vois ma famille, mes amis, etc. Que quand j'ai des choses à raconter, en fait. Et en fait, je vois que ça fonctionne pas. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. c'est... petite vidéo introspection, le PL ça ne marche pas, voilà, donc du coup ça fait une heure que je suis là dessus j'en ai marre déjà, parce que mon ordi il rame à mort, et voilà, donc je suis en train de vous préparer des posts parce que vous m'avez demandé pas mal au niveau du matériel, donc je prépare plusieurs posts qui seront publiés au fil des semaines sur qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel quand on débute, où trouver le matériel, des choses comme ça en fait. Voilà, donc je me dis que ça peut vous aider. Donc si vous avez d'autres idées de posts ou de sujets à aborder ou en vidéo ou sur Insta, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire. Et voilà, donc programme de la journée. Donc je fais cette vidéo dans n'importe quel sens. Donc j'ai mon petit carnet avec ma to-do list de la journée. Donc il faut que je finisse ce vlog, très important. Je pense que là, ça sera le dernier clip. Il sera pas bien grand, mais bon, j'ai pas mieux et voilà. Donc programmer mes posts Insta, je dois filmer des reels, je vous l'ai dit, et je dois revoir le logo aussi pour ma boutique et mes packagings, mais je sais pas trop. Je trouve que c'est difficile de choisir. Alors moi j'ai des problèmes pour choisir, que ce soit pour tout, au restaurant, pour acheter des trucs, voilà, j'ai toujours un problème pour choisir. Mais alors là, quand on doit choisir quelque chose qui est, on va dire, définitif entre guillemets, puisque bon, ben après un logo ça peut se changer, voilà, au gré des envies et tout, mais vaut mieux éviter. Et ben là j'ai du mal, voilà, je sais pas. Même ma palette de couleurs, j'étais sûre et j'étais pas sûre. Que voilà, je dois retravailler un peu le logo, mais je pense pas que j'aurai le temps parce que le ménage m'appelle aussi après. La ville à vrai, voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. Il y a un vent de malade ici, je sais pas chez vous, mais on est presque dans la tempête. C'est un peu pénible ce bruit. Mais bon, voilà. Et il faut que je regarde si j'ai répondu aussi à tous vos commentaires sur YouTube. J'ai peut-être pas répondu à tous, donc voilà, il faut que je fasse. Donc je vais essayer, il est 14h, donc je vous fais un petit update tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est 4h-20, j'ai passé 2 heures à faire 4 posts Instagram. Bon. Poste de qualité quand même, donc voilà, j'ai filmé et programmé, il me semble, 4 reels, donc voilà, le compte Insta c'est bon.
enfin que je publie en story aujourd'hui parce que je vois que je suis allée voir sur mon sur business enfin Meta Business là, j'ai pas publié de story depuis lundi ou mardi, je ne sais plus, bref. Je voulais vous montrer le mood board que j'avais fait pour mon identité visuelle, tout ça, je ne le retrouve plus. Voilà, ça c'est moi, je fais des choses, je les range et je sais plus où je les range, ça m'arrive tout le temps, donc voilà. Mettez un like si vous c'est pareil. Et du coup, en rangeant, je voulais vous montrer une petite création que j'ai réalisée, donc qui sera, je pense, dans la prochaine boutique, voilà. Donc là, les fleurs ont un peu fané, mais elles étaient pas fanées quand je les ai scannées et tout. Ça rend très très bien et donc ça sera une affiche. Et j'ai trop hâte de me l'imprimer pour moi et de me la mettre dans mon bureau parce que, je sais pas, j'aime trop. Les couleurs vont trop bien ensemble et tout, donc voilà. Je voulais vous montrer aussi, alors j'avais fait un peu de rangement, mais ça va pas se voir du tout, parce que j'ai le bureau plein de choses, mais je vais quand même vous montrer. Donc à la base c'est rangé, c'est juste que là j'ai tout laissé en plein l'autre jour et je suis pas revenue, donc j'ai rangé le bureau là qui était plein, et surtout là, derrière, j'ai même décroché le cadre qui était là-haut. J'ai laissé vide, il y avait ma machine à coudre que vous voyez là, et j'ai posé en fait mon... un album de PL, parce qu'en fait je remarque que je ne peux pas avoir ou l'aquarelle ou le PL parce que c'est trop le bazar, donc je voudrais le laisser ouvert quand même pour ne pas l'oublier, vous voyez, pas oublier de le faire. Et qu'est-ce que je peux vous montrer que j'ai réalisé dans ce fabuleux album? Non, ça je voulais pas montrer. Je vous ai pas fait de flip. J'ai fait ça la dernière fois et en fait voilà, j'ai pas terminé parce que il me manque des photos, il me manque des cartes, donc en fait j'ai tout laissé en plan. Donc voilà, vous voyez, j'avais pas trop de choses à vous montrer cette fois-ci. Alors j'espère que la prochaine fois je pourrai vous montrer donc ce mood board, je pourrai vous montrer un peu des créations et aussi des créations imprimées, puisque mon papier peut-être qu'il est dans ma boîte aux lettres, mais je ne le sais pas. Voilà, et puis. Et bien voilà, c'est tout. Donc je vais couper ici parce que je blablate pour rien dire. Comme d'habitude, si vous me laissez un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Donc vous pouvez vous lâcher. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain vlog. Bye!